Avui estem aquí a la FNAC de Plaça Catalunya a Barcelona presentant el darrer llibre d'editorial Proteus, un llibre de la Isabel Pin, autora i il·lustradora francesa, i que porta per títol Quan sigui gran vull ser Premi Nobel de la Pau. Un llibre que ella ha creat, que ha publicat inicialment a Alemanya, a França, i que ara publica amb nosaltres, i que intenta introduir als nens què és això dels Premis Nobel de la Pau. Un llibre que serveix pel mateix que serveix l'editorial Proteus, que és per introduir l'ètica als nens i perquè els pares i fills puguin discutir d'aquells temes que permeten fer una educació amb valors. La Isabel Pin és una autora i il·lustradora molt reconeguda des de fa molts anys i que avui està amb nosaltres per ajudar-nos a donar a conèixer la seva darrera creació. Quan sigui gran vull ser Premi Nobel de la Pau. Le livre raconte l'histoire d'un garçon de 5-6 ans qui aimerait bien se comporter et ne pas faire de bêtises et se comporter en adulte. Et donc voilà, donc ça c'est le garçon. Et ça raconte, le livre raconte d'une façon humoristique. C'est un livre un peu de morale. Il voudrait la paix entre les peuples, il voudrait bien se comporter avec des animaux et il raconte tout ce qu'il voudrait bien faire, hein. Et dans les images on voit qu'il faut beaucoup de bêtises, voilà. Et à la fin du livre, hein, alors il y a des situations comme ça où il souhaiterait partager avec les autres mais il a du mal à partager. Et à la fin du livre, hein, donc il raconte toutes ces situations du quotidien où il aimerait être meilleur, hein, et à la fin du livre donc il raconte qu'il aimerait bien plus tard avoir le prix Nobel de la paix. Donc on le voit là, hein, qui reçoit une médaille, hein, et à la fin du livre il dit voilà, il faudrait que je commence maintenant. Alors il libère sa petite sœur qu'il avait attaché au début du livre. C'est un livre humoristique, hein, qui j'espère fera rire les enfants sur des situations du quotidien difficiles, hein, pour les enfants, des situations de partage, de conflits, de disputes, hein, qui j'espère les aidera à régler un peu leurs conflits. Et voilà. J'espère que ça plaira aux enfants et aux parents. Voilà, merci.